Bonjour à tous, petite annonce du jour, on a sorti des packs de graines, c'est un coffret de 10 sachets de graines produites spécialement à la ferme de Cagnol en partenariat avec Cocopelli. Et donc là, ça faisait longtemps qu'on avait envie de vendre nos graines, en fait que les gens puissent acheter directement des graines produites à la ferme de Cagnol en maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire en non-travail du sol et en plus pour beaucoup en fait de cultures en non-irrigation. Voilà, c'est chose faite. Donc là, si vous êtes intéressé pour avoir nos graines, vous pouvez aller sur le site de Cocopelli au lien qui est en bas et du coup commander un pack de nos graines si vous en avez envie. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les apports massifs qui est un peu la marque de fabrique de la ferme de Cagnol et aussi un sujet un peu controversé puisque finalement ça va un peu à l'encontre de tous les lieux communs sur le jardinage où on dit qu'il faut pas apporter de matière carbonée et surtout pas de bois. Qu'est-ce que le maraîchage sur sol vivant? Alors tout d'abord, pour qu'une plante pousse, il lui faut une bonne structure de sol, c'est-à-dire un sol poreux pour que les racines puissent descendre, explorer. Ça permet à la plante aussi d'avoir un milieu propice pour aller chercher de l'eau, des éléments minéraux, de la fertilité. En fait, la structure de sol, c'est vraiment fondamental pour avoir une plante qui pousse bien. En agriculture classique ou en jardinage classique, on va faire un travail mécanique du sol pour créer cette porosité du sol. Et après, pour la question de la fertilité, on va apporter des engrais pour nourrir notre plante. Nous, en maraîchage sol vivant, on va faire totalement l'inverse. La logique, ça va être d'apporter de la nourriture à une activité biologique qui va, elle, se développer dans le sol, et en se développant, elle va créer la structure, la porosité optimale d'un sol pour faire pousser des plantes. Cette activité biologique, elle va excréter toute une série de molécules d'acides aminés qui va être l'alimentation optimale pour les plantes. Et donc, en apportant massivement de l'énergie pour nourrir l'activité biologique de notre sol, on va créer en fait une des conditions et des structures de sol parfaites, ainsi que la fertilité idéale pour notre plante. Comment on attaque du maraîchage sur sol vivant? Comment on commence à cultiver une parcelle? Moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le sol, il est très très compacté ou pas. S'il est vraiment trop compacté, ça peut valoir le coup de faire un travail de décompactage mécanique du sol pour accélérer les processus de restructuration des sols. Si c'est pas trop compacté ou après le décompactage, la stratégie, ça va être de faire un apport massif de matière organique pour nourrir le sol, lancer l'activité biologique et du coup créer par la biologie des conditions optimales pour faire pousser des plantes. Et donc là, on va voir l'itinéraire classique d'un apport massif de broyat de déchets verts. Donc là, sur la parcelle que je souhaite cultiver, je vais amener 10 cm de broyat de déchets verts. On peut aussi faire en fait un double effet, c'est-à-dire qu'avant d'amener les 10 cm de broyat, je peux semer des graines de couvert végétal d'hiver, plutôt des grosses graines qui vont être en capacité de passer le paillage. Et comme ça, on va avoir une plante active qui va du coup nourrir le sol en sucre, maintenir des mycorhizes actifs et en même temps avoir un système racinaire qui va structurer le sol, tout en ayant de la matière organique qui va nourrir toute l'activité biologique. Une fois que vous avez semé du coup vos graines de couvert à peu près, on va dire, entre 2 et 5 kg de graines pour 100 mètres carrés, si vous voulez un couvert vraiment dense, vous venez recouvrir de 10 cm de broyat de déchets verts, vous attendez qu'il pleuve. Vous venez mettre une bâche, on va dire un mois avant la plantation qui est prévue au printemps. Vous faites des trous aux endroits où vous voulez ensuite repiquer vos plants. Donc voilà pour l'itinéraire de base, broyat de déchets verts, apport massif, une cucurbitacée sur bâche, ça marche extrêmement bien. Et ça marche avec les cucurbitacées, ça marche avec les solanacées, on a fait plein de vidéos sur plein d'itinéraires. C'est vraiment un truc qui marche et ça c'est la base du maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on va déléguer les services de structuration des sols et de la fertilité à l'activité biologique. Là, si j'enlève la bâche, j'ai un sol qui est exempt de toute vivace, de toute mauvaise herbe, entre guillemets. Et donc là, je vais pouvoir faire des semis de petites graines type carottes en semi-direct, sans aucun travail du sol. Et là, c'est vraiment génial. Donc suite au succès de ce type d'itinéraire technique très simple, on a essayé de voir un petit peu quelles étaient les autres sources de déchets qu'il y avait à disponibilité autour de la ferme. Et on a trouvé en fait qu'il y a des scieries juste à côté de la ferme qui produisent un déchet pour elles qui s'appelle la balayure de scierie. Et ça, on a vraiment les écorces, toute la sciure quand les grumes elles sont délignées. Les scieries du coin, en fait, elles produisent l'équivalent d'une benne de déchets par semaine. Donc on était curieux d'essayer un type d'itinéraire technique avec ce déchet très carboné. Donc là, l'itinéraire technique, il est hyper simple. On rapporte 40 cm de balayure de scierie. Alors
Pourquoi 40 cm? Parce que bah, ce type de matière est assez embêtant à épandre avec le tracteur. Du coup, bah, on a trouvé une technique un peu plus simple, c'est de faire venir notre ami Daniel qui se charge de l'épandage et de la répartition de la matière avec son petit outil. Donc là, une fois que la matière elle a été répartie sur la parcelle, à peu près 40 cm à l'appel mécanique, on attend 2 ans. Et au printemps, 1-2 mois avant la plantation, on va mettre une bâche. Et là, on va venir semer du butternut. Et voilà les planches qu'on a faites cette année en non-travail du sol. Pas d'irrigation, pas de fertilisation. Et là, dès la première année, avec comme seul apport une quantité massive, certes, de balayure, de scierie, c'est-à-dire de bois, on va avoir de très bons rendements malgré une année de caniculaire et de sécheresse. Donc là, si on fait le bilan de la culture, c'est-à-dire que d'habitude, sur du butternut, avec une année comme ça, il lui fallu arroser, arroser, arroser. Donc là, on n'a pas d'arrosage. Toujours pareil, pas d'engrais azoté. Et puis, en termes de bilan carbone, alors là, ça fait beaucoup, puisque si on a sur une parcelle de 2000 m², on va avoir du coup, là, un camion, c'est 100 m², donc ça fait 20 camions. 20 camions, on a vu que c'était entre 5 et 10 tonnes d'équivalent CO2 stocké. Donc si on a 20 camions, ça fait entre 100 et 200 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été stockées sur cette parcelle, en plus de produire. On a eu à peu près 5 kg par mètre carré, donc en plus sur les 2000 m², on va avoir 10 tonnes de butternut produites. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi il y a une question de temporalité par rapport à ces apports massifs. Et c'est vrai que si c'est pas conseillé, c'est que peut-être effectivement, et bien évidemment, si vous mettez 40 cm de balayure de scierie et que vous venez planter les tomates dans la balayure la première année, ça va pas marcher. Là, on a vraiment une temporalité qui change, et c'est de dire que ben là, on a des déchets qui sont produits. Et au lieu de mal les gérer ou de parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces déchets, il y a une stratégie très simple qui consiste à les mettre au sol et de créer de la fertilité pour dans 2-3 ans avoir des sols qui puissent devenir auto-fertiles. C'est-à-dire que là, je viens de faire l'apologie d'apport massif, mais c'est en fait pour remettre en route des machines biologiques qui ont été abîmées par des pratiques agricoles dans les années passées. Et en fait, en remettant de l'énergie dans le système, en refaisant développer toute cette activité biologique, on va relancer la vie des sols et après, on peut rentrer dans des logiques d'auto-fertilité avec simplement des semis de couverts végétaux qui vont entretenir la fertilité de la parcelle. Et donc, peut-être pour conclure, si vous avez du bois à disposition, malgré le fait que ce soit pas recommandé dans quasiment aucun livre de jardinage, n'hésitez pas à le mettre sur votre sol, vous verrez, ça va nourrir et structurer votre sol pour vous créer en fait un sol bien fertile.